Te dis que peuple de Dieu ce soir, Dieu a suscité quelqu'un pour pouvoir te bénir. Donc tout ce que le Saint-Esprit te demande ce soir, sois disposé. Acclame le roi des rois s'il te plaît. Bien-aimé, comme la servante de Dieu l'a dit, si tu es venu pour regarder un homme, la porte est ouverte. Hein? Mais si tu es venu parce que tu as entendu tous ces témoignages, et quand t'a parlé que Dieu utilise quelqu'un, frère, on dit le sucre ne s'apprécie pas. Mais frère, Jésus a dit je suis le bon berger. Mais pourquoi est-ce que Jésus lui-même s'apprécie et qu'il ne laisse pas les gens l'apprécier lui-même? Il dit je suis le bon. Il n'est pas mauvais. Le bon berger. Si le sucre ne s'apprécie pas, c'est parce qu'il est inanimé. Il peut pas, il n'a pas de bouche, il n'a pas d'esprit pour pouvoir parler. Frère, Jésus a encore dit, on reconnaît un vrai prophète par les œuvres, les fruits. On reconnaît un vrai pasteur par les œuvres, par les fruits. Entre Dieu et moi, ça a été palabre, une bagarre. J'ai dit à Dieu, je ne peux pas te servir. Si tu voulais que je te serve, mais tu ne vas pas me laisser comme ça aller à l'université. Et regarde comment est-ce que j'ai souffert dans ma vie. Quelle vie humiliante je n'ai pas connue. Quelle vie de pleurs je n'ai pas connue. Commando, soyez prêts. Laissez les gens. Si tu es distrait, je t'en prie, je te supplie. Tu ne sais pas qui est devant toi là. Tu ne sais pas qui est devant toi. Je ne suis pas là pour m'enorgueillir, car l'orgueil est vaincu au nom de Jésus-Christ. Mais comme les hommes de Dieu l'ont dit, la Bible dit, Dieu se reconnaît en ses véritables oints. C'est pourquoi il dit, Ésaïe 44, verset 26, merci Holy Ghost, il dit, moi Dieu, je confirme ce que prédit mes envoyés. Je ne confirme pas les faux prophètes, les faux pasteurs, mais je confirme ce que mon serviteur dit. Dieu ne dit pas ce que moi je mets dans sa bouche de dire, mais ce que lui-même il dit. Comme je me reconnais en lui, je confirme. Frère, j'ai refusé de servir Dieu. Et Dieu me disait, tant que tu ne me sais pas, je ferme ta destinée. Je ferme ta destinée. Soyez prêts, le commando. Ce que tes yeux n'ont jamais vu. Tu vas voir ça ce matin. J'ai dit, Seigneur, tu dis quoi même? Il dit, mon fils, c'est moi. Bien-aimé, jusqu'en l'an 2012, le 12 août 2012, Seigneur, j'ai compris. J'accepte de te servir. Je prends le micro. Ok, Seigneur. De te servir? Ok. Je veux voir si effectivement tu m'as appelé. On partait enterrer une fille qui était morte. J'ai dit, Seigneur, voici l'occasion. Voilà les parents qui pleurent. Arrêtez-moi ça. On arrête l'enfant. Tout le monde s'arrête. Je prends un risque. Un risque. La foi est un risque. Je prends un risque. J'arrête tout un peuple qui en pleure pour aller enterrer leur enfant de 8 ans.
Il a dit, Seigneur, si vraiment tu m'as appelé, voilà, je veux voir le signe. Je dis, arrêtez-vous. L'enfant n'est pas mort, l'enfant vit. On dit, mais monsieur, quand même, voisin, on sait que tu aimais l'enfant, mais quand même, elle est morte. Il dit, l'enfant n'est pas mort. Envoyez-la. Ils ont envoyé la fille, cadavre. Elle était sec. Sèche. Le corps est sec. Bien-aimé, j'impose ma main. La fille est tenue. Elle se lève. Le village, les voisins, on n'a jamais vu ça. Voilà comment c'est parti. Homme de Dieu, on te donne notre maison. Viens faire chez nous cellule. Voilà comment des cellules, on amène les gens, les cas. On amène des cas. Des paralytiques qui se lèvent. Des aveugles qui voient. Les sourds qui entendent. Les stériles qui enfantent. On dit, mais c'est quoi ça? On n'a jamais vu ça. Mon père spirituel a appris la nouvelle. Il dit, David, je ne te permets pas de servir Dieu. J'ai dit, ok, si c'est toi qui m'as appelé, on va voir. La même nuit, Dieu lui dit, mon serviteur, à mon père spirituel, si tu ne laisses pas mon oin, je vais te frapper. Mon père spirituel m'appelle. Il dit, ok, je te laisse. Dieu dit que tu es son oin. Va, fais l'œuvre de Dieu. 2 ans de ministère, frère. Où tu as vu ça? En l'espace d'un mois, j'étais ici en octobre. Regarde, la salle est remplie. Où tu as vu ça? Même si tes yeux ne voient pas, tu dois dire, l'enfant a Dieu avec lui. Même si tes yeux refusent de voir la vérité, regarde, où tu as une fois vu en un mois, on peut bâtir une église comme ça. Où? Où? Où tu as une fois vu? Où? Un mois, yeah, c'est archi comme, c'est rempli. Un mois. Et si tu fais 2 mois, 3 mois, 6 mois, je ne suis pas imbibé, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Je suis un appelé de Dieu. Je ne sais pas Dieu pour l'argent. Je ne sais pas Dieu pour la gloire. Je sais Dieu parce que moi-même, j'ai été pauvre et j'ai fait sortir les gens de la pauvreté, de l'humiliation, de la galère. Je sais Dieu pour mettre fin aux pleurs des gens, pour mettre fin à la douleur des gens, pour mettre fin à l'humiliation des gens, pour mettre fin à toute malédiction qui se vit dans la vie du peuple de Dieu. Amen. Seigneur, j'accepte de te servir. Asseyez-vous. Si tu es là pour dire que parce que c'est un bêté, tu n'as rien compris. Je suis orphelin de père et de mère. Je n'ai pas de mère, je n'ai pas de père. Jésus a dit, ce sont ceux qui font la volonté de mon père, qui font l'œuvre de mon père, qui sont mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs, mes tantes, mes cousins, mes cousines, mes nièces, mes neveux. Ceux qui font l'œuvre de mon père. De quel père il parlait? Le Père, le Saint-Esprit de Dieu. Je ne suis pas bêté. Je ne suis pas diloi. Je ne suis pas baoulé. Je suis un fils, petit-fils du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, envoyé par Dieu le Père pour venir délivrer le peuple de Dieu qui souffre. Voilà ma mission sur la terre. Comme Jésus a dit, il dit, Père, merci, car tu m'as oint pour une mission, pour délivrer les captifs, libérer les prisonniers, guérir les malades, donner la vue aux aveugles, l'entendement aux sourds, faire parler les muets. Donner l'espoir à celui qui est désespéré. Dis que ton Dieu encore existe. Le Seigneur Jésus, pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus a symbolisé le ministère de ses oints à un fruit? Il dit, on reconnaît un vrai prophète ou un vrai pasteur. Pourquoi? Par ses fruits. Pourquoi il dit fruit? Pourquoi il dit fruit? Beaucoup ne comprennent pas la révélation de ce verset. Pourquoi le Seigneur Jésus a dit fruit? Quel arbre? La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Plusieurs périssent. Ce qui fait que ça ne marche pas dans la vie de plusieurs enfants de Dieu, c'est qu'ils ignorent. Ils sont ignorants et ils ne connaissent pas ni les Écritures. C'est pourquoi ils souffrent. Il n'a pas dit, mon peuple périt par manque d'intelligence. Il n'a pas dit, mon peuple périt par manque de sagesse. Il n'a pas dit, mon peuple périt par manque d'argent.
Il dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Il dit, on le reconnaîtra à leurs œuvres, mes serviteurs, qu'ils soient pasteurs, apôtres, docteurs, évangélistes, prophètes, on va les reconnaître par leurs œuvres, les fruits, les actes. Pourquoi il dit fruits? Je vais te donner la révélation que m'a donnée le Holy Ghost. Fruits, parce que dites-moi, quel est un arbre ou une plante ou une graine qu'on sème et qui fait 10 ans, 20 ans avant que tu manges? Dites-moi. Dites-moi. Non, dites-moi. Ça existe? Ça existe? Une semence de graines, ou graines de maïs, graines de riz, ou bien graines de graines, ou bien, je ne sais pas, hein, manguier, bananier, qui fait 20 ans, 30 ans avant de donner. Pourquoi êtes-vous dans les églises où tu fais 10 ans, 20 ans sans voir la gloire de Dieu, mais quand même tu es là-bas? Oh! Acclame la révélation! Acclame la révélation! L'heure est arrivée! Le temps a sonné! Où ces choses doivent s'arrêter! Le mensonge doit s'arrêter! La manipulation doit s'arrêter! L'escroquerie doit s'arrêter! Le vol doit s'arrêter! Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à servir Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui est loin de Dieu. N'importe qui parle. Regarde, témoignage. C'est moi qui ai dit stop. Sinon, il y a témoignage. De un mois d'existence. Un mois d'existence. Il y a témoignage déjà. Et si il fait 2 mois à vous, 3 mois à vous, 4 mois à vous, 5 mois à vous, 1 an à vous. On reconnaît un vrai par les fruits. Ma fille soit bénie. Par les fruits, on reconnaît vrai. C'est pas bouche. Ça bénit, homme de Dieu. Aide-le. Là où la mine, ma main là. Lancez la. Fire! Aide-le. La puissance de Dieu est là. Aide-le. On reconnaît un. Par les œuvres. Ce n'est pas oba. Ce n'est pas bouche. Ce n'est pas tchatch. Jésus dit, il a symbolisé par un arbre, par un fruit, un arbre qui donne les fruits. Où tu as une fois vu manguer qui donne tes fruits en 10 ans, 20 ans, en 50 ans? Mais quand même, tu es là-bas. C'est mon frère. Il prêche bien. Il a les brèches. Il est beau. C'est pourquoi je suis là-bas. Pendant que, à côté là-bas, on se marie, on voyage, on est riche, on est prospère, on avance, et là, tout souffre. Aide-les, commando, aide-les. Je te le dis aujourd'hui. Si tu acceptes d'être ici au temple de la grâce, je te donne même pas un an, même pas 6 mois. Un seul mois seulement suffit pour que mon Dieu te démontre que je suis ton appelé. Un seul mois suffit pour que mon Dieu te démontre que je ne suis pas mais je suis un oint de Dieu. Un oint de Dieu. On reconnaît les vrais. Les vrais. C'est pas bouche. Les vrais. On les reconnaît. Un pasteur ne peut pas dire que Dieu a dit et puis on ne voit rien. Donc Dieu s'est dédié. J'utilise le nom de Dieu. Dieu m'a dit. Et on ne voit rien. Tous ceux que Dieu a envoyés auprès de moi en Espagne, voilà lui. Voilà son témoignage. Quand j'ai vu sa souffrance, je me suis dit, mais Seigneur, est-ce possible ça qu'un homme soit là sans voir sa femme pendant 4 ans, des mois, sans voir ses enfants? Envoie-moi ton dossier. Il envoie ses dossiers. Je n'ai même pas prié. J'impose ma main. Il faut écouter. Je n'ai même pas jeûné pour lui. Je n'ai même pas prié pour lui. J'ai dit faire offrande. J'ai dit faire offrande. J'ai dit paye ta dîme. J'ai dit peut-être à dire, mais pourquoi le lendemain? Les vrais se reconnaissent. Les vrais, on les voit. N'utilise pas le nom de Dieu n'importe comment, comme là-bas. Non. Dieu. Un peu Dieu. Un peu Dieu, non. Son nom fait peur.
La Bible l'appelle le redoutable. Oh. La Bible l'appelle le redoutable. Il fait peur. On l'appelle le lion de la tribu de Juda. Il a été lent envers ces faux-là. Pour que Dieu guérisse les gens, il faut faire offrande. Pour que Dieu brise les gens, il faut faire digne, il faut faire offrande. Qui a dit que Dieu a besoin de ça pour faire son miracle? Qui a dit? Hey. Qui a dit ça? Que Dieu a besoin de ça pour agir. Donc si Dieu a besoin de toi, ton offrande pour agir, mais c'est qu'il n'est plus Dieu. Oh, la Bible dit, rien ne lui est imposé. Rien, 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 rien. Dans les cieux, au-dessus des cieux, sur la terre. Regardez, elle sait pourquoi Dieu dit rien, rien. Il dit rien, pourquoi? Parce qu'il est l'auteur, le créateur des cieux et de la terre, de toutes choses. De toutes choses. Il est le créateur. Il est le créateur. Sans lui, on ne peut pas voir les cieux et la terre. Sans lui, on ne peut pas voir même l'eau, même en bas de la terre, on ne peut pas voir ça. Donc, effectivement, rien ne lui est impossible. Rien. Rien. Ces petits ménages-là, l'homme de Dieu ne peut pas te donner. Ces petits papiers de 4 ce jour-là, c'est ça que Dieu ne peut pas te donner. Pour ça, on fait 10 ans de prière et tu es là-bas quand même. 10 ans d'existence dans une église, tu es là-bas quand même. Petit 4, dites quand même, 4 de ce jour, petit là. Il va prier. Non, mais on reconnaît les vrais vrais. Quand un vrai prie, automatiquement, l'État te donne tes papiers. L'État te donne tes papiers. Les gens, ils ont échoué dans la vie. Ils souffrent. Comme ils voient que sa vie de Dieu est bon, on m'appelle homme de Dieu. Pourquoi? Dans le but de vous escroquer, de vous dépouiller. Et c'est les mêmes. Il y a comment Dieu m'a béni. Regarde, j'ai payé 20 taxis. Regarde, j'ai construit une maison. Regarde, j'ai fait ça là. Regarde, Dieu m'a donné ça là. Regarde, j'ai fait ça là. Mais non, c'est déplorable. Moi, ici au temple de la grâce, tant que Dieu ne t'a pas béni, je n'ai pas la paix du cœur. Je ne mange pas. Je ne suis pas en paix. Je ne mange pas. Tant que Dieu ne t'a pas béni, je ne mange pas. Je ne suis pas en paix. Je ne suis pas à l'aise dans mon âme. Je ne suis pas à l'aise dans mon esprit. Tant que Dieu ne te bénit pas. Sois béni, frère. Que Dieu ne te bénit pas. Moi, prophète David, je ne mange pas. Je ne suis pas en paix. Non, papa. Tant que tu n'as pas béni ma fille Pélagie. Tant que tu n'as pas béni ma fille Mélanie. Tant que tu n'as pas béni ma fille Juliette. Je ne mange pas. Je ne mange pas. Donc, Dieu est obligé de te donner mariage, papier, voyage, enfant, maison, l'argent, tout et tout. Je partais en Amérique. J'ai été invité par l'église de Benil. Il dit, viens petit. J'étais en Côte d'Ivoire et Dieu m'a parlé de toi. Donc viens prendre le message de Dieu pour la Côte d'Ivoire. Il dit, ok. Je voulais partir. Et Dieu m'a dit, mon fils, si tu vas en Amérique, les Américains vont t'arrêter en Amérique. Ils ne vont pas te lâcher. Pourquoi? Je vais me manifester puissamment. Et comme eux, c'est des fous. Dans l'œuvre de Dieu, ils vont te maintenir. Mais mon fils, je me suis souvenu d'un peuple qui souffre, qui n'arrive même pas à enfanter les femmes, qui sont venus ici pour se chercher, pour grouiller, mais que encore, le diable encore a sa main sur eux là-bas. Par l'œuvre de la sorcellerie en outrance. Ils ont petit boulot. Un peu. Appel en Afrique. Un peu. Maladie. Un peu. Funérailles. Un peu. Ça ne va pas. Un peu. Ça ne va pas. Leur petite économie retourne encore. Et ils font 1 an, 2 ans, 5 ans. Il n'y a pas de réalisation. Dieu dit, mon fils,
Il y en a qui sont ici, qui sont obligés de rester ici par manque de papier. S'ils vont au pays, on va les attraper. Oh, ils sont ici, l'espoir de leur famille. Dieu dit, mon fils, va en France. Ne va pas en Amérique pour le moment, va en France. Va, tu vas libérer mon peuple qui souffre. Mon peuple qui est sous le joug du diable, va. Va donner le mariage à celle qui veut se marier. Va donner les bébés à ceux qui veulent faire des enfants. Va donner le travail à ceux qui manquent le travail, aux chômeurs. Va donner l'espoir à celui qui est désespéré, qui ne croit plus en moi, qui prie à la maison, qui est découragé. Va leur donner l'espoir. Je vois un bébé entre tes mains, toi. Aide-le. La puissance de Dieu. Je vois un bébé entre tes mains. Je vois un bébé entre tes mains. Il y a deux femmes ici qui sont enceintes. Elles sont où? Venez. Aide-le, hein? Il est sous l'onction. C'est pas encore fini. Il est le premier à recevoir l'onction. Santarabakinta. Je ne veux pas du monde derrière ces femmes-là. Une seule personne, c'est tout. Bien-aimés, vous deux, qui s'appelle Rachel? Toi, je vois le diable a planifié que tu perdes l'enfant. Et je vois l'écoulement du sang. Le sang coule. Le sang coule. Vrai ou faux? Hein? Oui, ma fille? Oui. Le sang? Le sang a coulé au début. Ok. Le diable a planifié que tu perdes le bébé. Mais comme tu as mis tes pieds ici au temple de la grâce. Amen. Et que tu es devant moi-même, je vais t'imposer les mains. Tu ne vas plus couler le sang. Tu vas enfanter, accoucher facilement. In the mighty name of Jesus. Amen. Lève les mains, ma fille. Commando, sois prêt. Holy Ghost, aide-la. Aide-la. Et de là, en même temps, les dirigeants, venez briser l'esprit de mort, le bébé. Ma fille, oh, le frère, aide-le, hein. C'est le premier qui va reçu l'onction. C'est pas en vain. C'est pas en vain. C'est pas en vain. C'est pas en vain. C'est toi qui es Rachel? Et j'entends Rachel, 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 Rachel. Rachel. Rachel, Saint-Esprit, merci. Le Saint-Esprit m'amène quelque part dans un village, une région de d'Aloua. Tu viens de d'Aloua? Mets le micro, monsieur. Tu viens de d'Aloua? Oui. Il m'amène quelque part où tu es terriblement attaqué, lié. Mais ce soir, tu seras délivré et délié, détaché au nom de Jésus-Christ. Pendant que toi tu dis amen, l'onction, la parole aussi va aussi dans ta vie. Amen. Tu seras délivré aujourd'hui même. Amen. 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 Le Saint-Esprit me dit que tu enquêtes de travail. Oui. Travail. Oui. À ta sortie d'ici, dans ce même mois de décembre, on va t'appeler. Je vois un appel qui va te dire que tu as été quoi là même. Tu as été bon, repêché. Voilà, retenu. Viens pour qu'on parle du salaire, l'entretien. Amen. Je vois un coup de fil d'une femme blanche. D'une femme blanche. D'une femme blanche. Travail. Mais le travail que je vois, genre comme tu. Je vois que tu es en train de surveiller un enfant blanc. Je vois une fille blanche.
Il voit une fille blanche de 2 ans qui va vers 3 ans que tu vas surveiller. Amen. La fille s'appelle Jocelyne. Jocelyne. Amen. Jocelyne. Le Saint-Esprit me dit, hey, ma fille, c'est fini. Bon, assieds-toi. Viens encore, ma fille. Aide-la, commande-toi. Fire! Puissant de Dieu. In the mighty name of Jesus. Rain tarabakanta. Shekerevekinte. Holy Ghost power. Commando, sois prêt. Je te libère de cet envoûtement. Aide-la. Hein? My God. Un esprit de python. Sorcellerie. Commando. Où sont les dirigeants là? Venez vite continuer ça. Il y a un esprit de sorcellerie. Hein? C'est une servante de Dieu. Vous voyez là. Hein? Elle est chante, mais sa voix est cachée. Ce n'est pas sa voix. C'est pas sa voix ça. Allez, fais sa délivrance. In the mighty name of Jesus. Et pendant que je parle, je vois un événement. Je demande à l'Esprit Saint, mais quel est cet événement? Il me dit dot. Et il me dit que vous avez prévu ça en février. 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 Tu me dis que février ne passe pas. Frère, tu as prévu ça en février? Amen. Regarde comment tu acclames Holy Ghost. Que février ne passe pas. Ça ne doit pas passer. D'autres là. Regarde, frère, le Saint-Esprit me dit, tu es sous onction, hein, ce n'est pas en vain. Pourquoi je t'ai touché? C'est maintenant qu'il est en train de me révéler ça. Le Saint-Esprit me dit, regarde, je parle, il me dit que tu as un travail. J'ai un taureau, je suis l'Esprit Saint. Quel travail tu fais? Il me dit, tu es un coursier. Il me dit que je te vois comme un coursier. Un coursier. Hein? Je suis chef d'équipe de coursiers. C'est comme ça que tu acclames Holy Ghost. Le Saint-Esprit me dit, il y a pour toi une très bonne nouvelle. Et je demande, mais quelle bonne nouvelle? Il me dit, promotion, élévation, promotion, élévation, promotion, élévation, promotion, élévation. Pendant que tu acclames sa promotion, toi-même aussi, tu seras promu au nom de Jésus-Christ. Envoie-le aussi. Envoie-le aussi. J'attends promotion. Bien-aimé, quiconque va venir ce matin s'aimer dans mon ministère, tu vas voir qui je suis. Je ne sais pas Dieu pour l'argent. Hein. Non. C'est l'argent qui me sert. L'argent est mon esclave. Je ne suis pas esclave de l'argent. Amen. David dit, le bonheur et la grâce m'a... Voilà. Moi, je suis devant et ils sont derrière. Ils m'accompagnent. Ce n'est pas moi qui j'accompagne l'argent. Non. Je te vois comme coursier. Et le Saint-Esprit me dit, il est l'heure pour toi d'être élevé. Pourquoi? Tu as mis tes pieds ici au temple de la grâce. Promotion. 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 Mais il me dit de te dire, il a mis dans ton cœur, dans ton esprit, un projet. Hein? Un projet d'affaires. Et l'affaire, j'ai un tout rouge, c'est quelle affaire? Il me dit, l'affaire, je vois comme société de gardiennage que tu veux créer. Que tu veux créer. Mais l'Esprit Saint me dit, qu'il a déjà pourvu aux sponsors, aux partenaires qui vont venir s'associer à ton projet. Prends ça encore. L'onction du Saint-Esprit est sur ta vie. Aide-le. Parce que lui-même, c'est un oint de Dieu. Lui-même, c'est un secteur. Il veut une seule personne. Lui-même, c'est un oint de Dieu. Lui-même, c'est un oint de Dieu. Que l'onction te traverse par tout le corps. Pendant que je parle, je vois une femme entre vous, à ma gauche là. À ma gauche. Une femme. Je la vois. Je vois ses deux pieds dans un canari, depuis comme ça, depuis là-dedans. Et l'Esprit me dit que les sorciers l'ont déjà programmé, planifié. Ça veut dire planification. Donc je la vois, elle veut sortir, mais on l'empêche de sortir. Cette femme-là a été programmée le 17 décembre. Tu vois, 8h du matin, qu'elle va. Oh là là. Moi-même, je n'ai pas fini. Je vois 8h du matin, qu'elle sera flagellée. 8h du matin, qu'elle sera flagellée. Poum, une flèche. Elle va tomber, évanouie,
dans l'évanouissement, on va l'amener au chu, coma, ils vont dire c'est fini, elle est morte. Je vois les médecins blancs dire aide de décès. Le Saint-Esprit me donne le nom. J'interroge c'est qui? Il me dit Georgette, elle est où? Tu n'acclames pas l'homme. Si tu te lèves, tu acclames Holy Ghost. Holy Ghost, il passe à se souvenir de toi. Oh. Le Saint-Esprit, les mains. Il dit, il faut t'asseoir et bouche bée, concentre-toi seulement. Mais ce que tes yeux n'ont jamais vu, tu vois, comprends pourquoi on parle de moi dans tout Paris, France, là, en émoi, là, tu vois, ça va ça. Abigail, là-bas, je ne fais plus veiller ni croisade dans l'église. Je fais ça sur stade. 10 000 personnes, 5 000 personnes remplies. Avant de venir ici, vendredi passé, j'ai fait une veille à Bobo, sur stade d'Abobo. Il y a eu, papa, sois béni. Oh, lui aussi, je vois un... Oh là là, bon, vas-y, on va arriver à toi. Vous voyez un peu? Ils ont mis là, comme ça, sur deux bâches, ils ont mis là des malades paralytiques, des gens vraiment presque morts. Sans imposer ma main, comme je l'ai fait ce matin pour ma fille, sans imposer ma main, j'ai dit, vous tous qui êtes là, j'ai simplement tracé mon pied sur les bâches. Et levez-vous. Tu vois les gens qui sont rien cassés, ils se lèvent. Les parties se lèvent, ça va, ça marche. Sans imposer les mains, ça se lève, ça marche. Pa, 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 pa. Maïta, Kourou, Kinta. Jesus Christ. C'est ça la puissance, la démonstration de Dieu. La puissance de Dieu. Paul dit, le royaume des cieux ne consiste pas en parler seulement. Ils ont trop parlé. On veut maintenant voir. Tu as dit que Dieu dit, va te bénir. On veut maintenant voir bénison. Tu as dit que Dieu dit, tu vas te marier, on veut maintenant voir mariage. Tu as dit que Dieu dit, il va te donner l'argent, on veut voir maintenant l'argent. Faut pas, tu as trop menti. Dieu dit, 1 an, 10 ans, 20 ans, Dieu dit seulement. Dieu dit seulement. On veut maintenant voir. Aïe. La Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Mais pourquoi toi, ton Dieu là, on entend 20 ans, 10 ans. Mais quand même, on est là. Toi, ton Dieu, lui, il agit en 10 ans, 20 ans. Le Saint-Esprit me dit, femme, enlève tes pieds et enlève tes chaussures. Comme tu as, c'est toi qui es Georgette, comme tu as mis tes pieds ici au temple de la grâce, ce jour et l'heure qui a été planifié par le diable n'arrivera pas. Ce sont eux qui vont mourir à ta place au nom de Jésus-Christ. Voilà que tu dis amen, ça t'arrive aussi. Par le pouvoir que Christ m'a donné, j'ai fait un retour à l'envahisseur. Ne pleure pas, tu ne mourras pas. C'est pourquoi Dieu m'a... Je ne suis pas habitué. Si je suis ici, je suis ici à cause, par amour. Mais j'aime l'homme. Comme moi-même, j'ai souffert. Je ne veux pas que les gens souffrent comme moi. Sinon, je n'avais pas accepté de venir dans la fraîcheur. Depuis mon arrivée, je ne sors pas. Je suis dans la maison seulement. Je ne sors pas. Mais Dieu a dit, va. J'ai obéi et je viens. Et il m'a dit, va. Pourquoi? Il faut que tu amènes mon peuple sur la terre promise qu'on appelle la terre du Canaan. Ah! Ha! Regarde, je vais t'expliquer. Regarde, le monde entier veut que je fête avec eux. Mais regarde, le monde entier, hein, les gens veulent que je fête avec eux. Pourquoi? L'année prochaine s'appelle l'an 2015. Même les mystiques, même le diable en train de planifier, faire ses programmes pour 2015. Mais regarde vous, Dieu vous fait grâce qui m'amène pour vous faire rentrer en 2000. Pour vous faire rentrer en 2015. Pour te dire, comme tu as mis tes pieds ici là, tu ne mourras pas. Aucun membre de ta famille ne mourra pas. Personne ne mourra. Personne ne mourra. Personne ne mourra. Personne ne mourra. Je suis là. Le roi de Dieu est là. Tous les morts descendent, mais je suis là. Avec toi, tu ne mourras pas. Rien de mal ne t'arrivera.
rien de mal ne t'arrivera. Si tu pouvais savoir ce que Dieu m'a dit l'an 2015, c'est l'année des chrétiens, l'année des chrétiens, l'année des chrétiens, l'année des chrétiens, l'année du repositionnement. L'année où les chrétiens seront maintenant à la tête des entreprises, des nations, présidents, ministres, les chrétiens, directeurs, PDG, hommes d'affaires, femmes d'affaires, les chrétiens, les chrétiens, les païens seront à la queue, les chrétiens seront en haut, les chrétiens seront en haut, il est l'heure. C'est ça, laissez-le manifester sa joie. C'est pour ça que je suis venu. Je ne suis pas venu pour que. Pour regarder tout le fait, je suis venu t'introduire dans ta destinée prophétique. Voilà. Micro. Asseyez-vous. Maintenant, bouche bée. Concentrez-vous seulement. Maman, toi et moi, on se connaît? Non. Yari. Mais comment est-ce que le diable a planifié? Et moi, excuse-moi, Dieu m'a fait cette grâce. C'est que Dieu me dit l'année, le jour, le mois, même la seconde, où va te bénir. Où me y attaque. Il m'a fait cette grâce-là. Cette grâce. Je ne la mérite pas, mais il m'a fait cette grâce. Amen. Par rapport à d'autres hommes de Dieu. Amen. C'est qu'il me révèle le mois. Voyez, j'ai dit à ma fille, là, qui a un témoignage, je lui ai dit octobre. Et voilà octobre. Pour dire le oin. On le reconnaît. Donc, c'est la grâce que Dieu m'a faite. Pour te dire même le jour, même la seconde, même le mois, même l'année où Dieu va te visiter. Où aussi il attaque. Et c'est biblique. Quand tu prends Amos, chapitre 3, verset 7, Dieu dit... Aucune chose n'arrive à quelqu'un, à un pays, sans que Dieu n'avertisse d'abord à son oin, à son prophète oin, oin. Aucune chose. Bonne nouvelle, Dieu avertit d'abord à son oin. Mauvaise nouvelle, il avertit encore à son oin. Et c'est à vous que Dieu a fait cette grâce. Et puis tu as assis, dans ce mois de décembre. Dans ce mois de décembre. Ah. Exemple, voilà la sœur. Mon fils, ben, Miko. Maman, toi et moi, on se connaît? Non. Yari, elle dit non. Mais comment Dieu peut dire son nom? Oh. Maman, tu vas répéter après moi. Et vous aussi. Tu vas dire, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Maman, faut, hein? Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Parle avec conviction. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Si toi tu aimes la mort, faut pas parler. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Tout plan du diable. Tout plan du diable. Contre ma vie. Contre ma vie. Plan de mort. Plan de mort. Accident. Accident. Les flèches. Les flèches. Lancées. Lancées. Par la sorcellerie. Dans la sorcellerie. Contre moi. Contre moi. Je fais un retour à l'envoyeur. Je fais un retour à l'envoyeur. Faut faire le geste. Je fais un retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Les flèches retournent contre eux-mêmes. Contre eux-mêmes. La tombe qu'ils ont creusée pour moi. La tombe qu'ils ont creusée pour moi. Je vais moi-même les enterrer. 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 Voilà, on peut ça avec conviction. J'aime ça. Je vais moi-même les enterrer. Je vais moi-même les enterrer. Tombe planifiée. Cercueil planifié. Cercueil planifié. Ouvre-toi. Accueille. Accueille. Mes ennemis et adversaires. Mes ennemis et adversaires. Tout sorcier. Tout sorcier. Tout sorcier. Tout sorcier. Cercueille. Cercueil. Reçois-les. 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 Bon la main, prie, 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 prie. Reçois-les. 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 Cercueil. Reçois-les. La tombe. Reçois-les. 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 Bas la main, faut prier. Bas la main, bas la main, bas la main, bas la main. Reçois-les au nom de Jésus. Reçois-les. 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 Reçois-les au nom de Jésus. Reçois-les. Reçois-les. Faut prier, faut prier, faut prier. Reçois-les. 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 La tombe. Reçois-les. Le cercueil. Reçois-les. Les funérailles. Recevez-les. Funérailles. Reçois-les. Reçois-les au nom de Jésus. Reçois-les. Reçois-les. Reçois-les au nom de Jésus, reçois-les, reçois-les, reçois-les au nom de Jésus, reçois-les, 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 reçois-les au nom de Jésus. Faut prier, faut prier. Reçois-les. C'est ce que tu dis qui arrive. Déclare la mort. Au nom de Jésus. Déclare la mort. Reçois-les. C'est eux qui doivent mourir à ta place. Reçois-les,
Reçois-les au nom de Jésus. Reçois-les. Reçois-les au nom de Jésus. Reçois-les. 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 Reçois-les au nom de Jésus. Reçois-les. 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 Reçois-les au nom de Jésus. Reçois-les au nom de Jésus. Reçois-les. Reçois-les. Reçois-les au nom de Jésus. Reçois-les. Reçois-les. Reçois-les au nom de Jésus. L'huile d'olive. Un pasteur vite. Mets l'huile en tes mains et mets ça sur son visage. Et les pieds. Ses pieds, je vois. Pardonnez, éteignez-vous, vous portable. Hein? Ça distrait. Voilà, ça distrait. Maïkanta Rabakonto. Je vois aussi une femme aussi qui est là. Une femme aussi au niveau de son sein. Dieu me dit qu'elle avait un cancer du sein, au niveau de son sein. Mais Dieu me dit qu'elle est guérie sans qu'elle-même le sache. Ok, levez les mains. Maman, lève les mains. Explique-moi. Allez, aide-la. Laisse-la. Pas vite! Voilà. Levez-la. Viens vite. Oh, mais où sont les dirigeants là? Venez vous les continuer. C'est pas moi qui fais ça encore. C'est vous qui le faites. C'est vous? Mettez votre main. Mettez votre main. Poussez. Mettez votre main à la partie. Je veux un seul commando. L'esprit s'est médiqué, vous êtes déjà guéri. Entre vous deux, je vois une femme qui porte, je ne sais pas c'est quoi la même, des choses dans le sein. C'est qui? Ah, vous deux. Toi, tu portes ça? Une chauve. Ils ont enlevé ou bien c'est quoi là? C'est quoi dedans? Et toi? Oh là là, ok. Maintenant, pour toi, ça s'enlève quand? C'est quand ils t'ont... Quand ils t'ont donné rendez-vous Dans six mois, ok. L'esprit s'est médiqué, vous êtes déjà guéri. Vous avez mis les pieds ici seulement, vous êtes déjà guéri. Sans que je vous touche. Il me dit, vous êtes déjà guéri. C'est pourquoi il me révèle que dit à ces femmes que c'est fini. Amen. Ok, donc imposez vos mains là. Ma fille, impose ta main. Ok, commando, soyez prêts. Hein. Holy Ghost, thank you. Aïe, l'onction. L'onction. La puissance de Dieu. Veillez sur elle. Rain Taraba Kanta. Shekeri Vekinte. Levez-les. Oh là là. Levez-les. Mettez-la parmi les dirigeants. Elle. Oh là là. Tiens encore. La puissance de Dieu. Hein? Aide-la. Faites-la soin. Hein? C'est une servante de Dieu qui est là aussi. Donc rapidement, prenez son nom. Mettez-la. Au temps de la grâce, on ne fait pas mourir les dons. On les fait développer pour que l'œuvre de Dieu avance. Quand tu es appelé à un tel ministère, moi je suis le seul, j'encourage pour dire viens. Au temps de la grâce, il n'y a pas de jalousie. Non. Nous tous, nous travaillons pour que l'œuvre de Dieu avance. Quelle est l'affaire de jalousie? Pourquoi? Si l'autre voit que toi, ça fait quoi? Si l'autre sait chanter que toi, ça fait quoi? Hein? Personne n'est fort, c'est le Holy Ghost qui est fort. On n'est pas à ça. Non, c'est Holy Ghost. Quand il vient dans ta vie nette, il te transforme. Si tu étais nul, il fait de toi maintenant un fort, un meilleur, c'est tout. Donc, hein, tu n'as pas fait malin ça, non. Donc, si tu as un don, tu as un talent seulement, que moi, le Seigneur me révèle, je te mets à ta place. Amen. Si me dit que tu es appelé à chanter, groupe musical. Amen. Tu es appelé à être pasteur, il te met comme dirigeant. Et si tu attends un dirigeant, c'est pour dire que tu seras futur. Donc, je te forme un peu, un coup, de même pas. Aïe! Quand on parle, Dieu est là-dedans. Mais quand on n'est pas, quand on ne vient pas de Dieu, Dieu n'est pas là-dedans. Donc lui-même, il se cherche. Ma fille, ça ne marche pas parce que Dieu dit que ta dîme. Quelle dîme? Dieu a fait quoi ta dîme? Ça ne marche pas parce que l'offrande que tu ne fais pas bien. Dieu a fait quoi ça? On n'adore pas Dieu à quoi des offrandes et dîmes? Non. Non. On adore Dieu parce que Dieu a déjà tout disposé. Ton mariage, il a déjà disposé. Ton travail est là déjà. Tout est là déjà. Sorcier peut rien, dis amen. Parce qu'il y a 5 personnes ici qui pratiquent la sorcellerie. Il n'y a rien. 2 à ma gauche, 3 à ma droite. Mais il n'y a rien. Je les vois, on se voit, puis on l'a en cause. Voilà. Acclame le Seigneur pour ça. Voilà. Hein?
Voilà. Moi, je m'occupe pas d'eux. J'avance. En parlant de là, tu perds ton temps. Nous, on avance. On est devant. On avance. On avance. Hein? Moi, je veux même le VP. C'est petit. Amen. Voilà aussi une autre femme aussi qui souffre tellement dans la main de la sorcellerie. Les gens pensent qu'elle est sorcière, mais elle n'est pas sorcière, mais dit l'Esprit Saint. Une femme qui souffre terriblement dans les mains de la sorcellerie. La sorcellerie veut qu'elle pratique, on veut l'initier pour que, de par elle, son entourage soit attaqué. Mais elle n'est pas sorcière. Je dis bien, elle n'est pas sorcière. Mais on veut lui donner sa force. Mais comme elle souffre, elle n'est pas un bon pasteur qui va lui révéler ça pour enlever ce poids-là sur elle. Je vois un fardeau qu'elle porte. Elle n'est pas en paix dans son corps, au niveau même de son dos. Ça pèse. On t'appelle Elisa. C'est qui ça? Viens. Elle est où? C'est toi? Voilà. Wow. C'est toi qui es Elisa? Et personne n'acclame ça. Et personne n'acclame ça. Je répète, elle n'est pas. Maman, il faut reculer un peu pour que je puisse bien te voir. Voilà. Elle n'est pas, je le dis, hein, en tant que prophète ou un de Dieu, elle n'est pas sorcière. Ne pensez pas. Ne pensez même pas ça. Hein? Maman, lève les mains. Donc, vous avez compris? Si tu la traites de sorcière, tu vas faire à moi. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Maman, enlève tes chaussures. Voilà. Pendant que je parle, il y a une personne qui sent une forte douleur, comme du feu. Bon, c'est pas douleur, comme du feu. Elle sent le feu au niveau du dos, hein, de la colonne vertébrale. Viens vite par devant. Voilà. Maman, lève la main. Holy Ghost, va ce soir te libérer. Aide-la. Fire! La puissance de Dieu, aide-la. Je te décharge. Aide-la, hein? Je te décharge. Pasteur Kanga, tu fais quoi là-bas? Aide ta fille. Viens enlever vite ce poids sur elle. Déchargez-la. In the mighty name of Jesus. Je vais ma fille. Mais c'est vite. Prends l'huile là. Mets l'huile, monsieur, dans tout là. Et mets ça à la partie. Non, laisse-toi. Lève les mains seulement. Ferme les yeux. Voilà, fais vite. Mets ça juste derrière. Non, donne ça à l'autre. Maman, lève les mains, ferme les yeux, ferme ta bouche. Sois en esprit. Voilà. Holy Ghost power. Brain Taraba Kenti. Je vois une femme aussi qui a mal au bras. Au bras, elle est où? Au bras. Viens vite, pas devant. Holy Ghost! Aide là. In the mighty name of Jesus. Mettez vite un pain autour d'elle. Aide là. Bon. Quand moi je commence à naître, les dirigeants viennent continuer en même temps. Maman, c'est toi? Ok, oui, c'est toi qui me parler. Voilà. Hein? Qui comme elle sent une douleur même au niveau de la main? Une douleur forte comme elle. Qui sent? Une douleur forte, hein? Non, non, attends, asseyez-vous où vous êtes. Asseyez-vous. Voilà, viens. Je veux, voilà, vous voyez, c'est ça qu'il veut. Je veux des cas comme ça. Maintenant, vous, non, après vous allez venir. Mais je veux des cas même. Cas des cas, voilà. Ou vraiment, tu ne peux pas. Voilà, ça il veut. Ok. Tu as été opéré. Tu ne peux pas. Ça ne finit pas. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, qu'est-ce que tu ne peux pas faire actuellement avec ça? J'ai très mal. Tu as très mal. Tu peux pas. Ça ne peut pas travailler comme l'autre main. Avec. Ok, il n'y a pas de problème. Toi aussi, pareil. Tu as mal. Opéré aussi. Donc, ça fait mal à tout le monde. Ok, il n'y a pas de problème. Vous aussi, suivez le peuple. Tout ceci pour que ça puisse fortifier votre foi et que vous puissiez dire vraiment votre Seigneur Jésus-Christ existe encore.
Il n'est pas mort, il existe encore. Et que les miracles, là, si les d'autres pasteurs ne le font pas, il y a problème. Il y a problème. Sinon, les miracles sont là pour tout le monde. Pasteur, peuple, disciples, fidèles, là pour tout le monde. Maintenant, si tu ne fais pas miracle, c'est qu'il y a un problème. Quel problème il y a? Ta foi. L'homme de Dieu n'aime pas la foi. Donc, tu ne peux pas marcher à lui. C'est lui qui fait miracle, marcher à lui. Parce qu'on ne fait pas miracle comme ça. Pour qu'un miracle s'opère, il faut la présence de Dieu lui-même. Donc, où là, tu vois miracle, va là en même temps. Je n'ai pas de vrai miracle, pas les miracles des faux, parce que les faux, maintenant. Voilà, miracle. Quand tu vois Dieu est la vraie. Compte en même temps. Un ministère où il n'y a pas de miracle, le peuple de Dieu, leur foi ne sera jamais fortifiée. Ça mourit peu à peu, mourit peu à peu. Mais chaque fois qu'il y a des miracles, ça édifie leur foi, ça élève leur foi, ça développe leur foi. Et le peuple aussi est amené à faire des choses extraordinaires. Quand le peuple voit même un cas, frère, c'est mal où? Là, je pose mes mains parce que mon père le fait. Non, moi, je le fais. La Bible dit, l'enfant reproduit ce que le père fait. Claire. Mais s'il n'y a pas de miracle, tout le monde sera là comme ça. Va voir mon pasteur. Non. Amen. 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 Qui croit déjà en ce matin au miracle? Ah, ils sont habitués. Ils sont habitués. Qui croit en ça au miracle? Ok. J'appelle Pasteur Kanga, Pasteur Kinom, venez. Je vais vous montrer comment on fait les miracles. Quand votre père doit faire des miracles, vous, allez, soyez heureux et en joie. Parce qu'il va vous transmettre l'onction aussi du miracle ou des miracles. C'est ça. Mais quand ton père, si tu ne fais pas miracle, il va pas, toi, tu vas jamais faire miracle. Parce qu'il va te donner quoi? C'est ça. Miracle, ce n'est pas que seulement sur le corps, hein, le corps, non. Mais quand on dit, il y a une affaire qui est bloquée, l'argent bloqué, quand l'homme de Dieu prie, et qu'il y a un miracle, et il y a un déblocage, on dit qu'il y a un miracle. Voilà. Comme une femme à Abidjan. Depuis l'an 2000, elle avait perdu les traces de ses papiers en 2002 à cause de la guerre au temps de Guéhi. Donc, elle s'en prend son argent. On dit non, madame, on ne voit plus ton nom sur l'ordinateur. La dame est venue, elle dit, prophète, j'entends parler de toi. On dit, allez, toi là, rien n'est impossible à ton Dieu. Il dit, bon, femme, tu as la foi? Elle dit, j'ai la foi. Ok, elle est venue. J'ai dit, femme, j'ai pris pour elle un jeudi. Il a dit, le lendemain, va au même lieu. Tu vas voir ce qu'on va te dire. Je vois que ton nom sera inscrit sur l'ordinateur. Elle dit, prophète, ça fait 2002 jusqu'en 2012 où je t'ai connu. Et 2013, ça fait combien d'années? Homme de Dieu, plein m'ont dit de faire offrande, j'ai fait. Que Dieu dit, faut faire 100 000, j'ai fait. Dieu dit, faut donner ça, j'ai fait. Je n'ai rien vu. Toi, tu dis le lendemain, homme de Dieu, demain, c'est pas loin, hein, c'est tout près. J'ai dit, femme, le lendemain, va. Elle dit, ok. Le lendemain, ça va. Oh, mais femme, mais c'est toi, mais on attendait. On a retrouvé ton nom. Oh! Viens, moi. Voilà comment on fait miracle. Pour aussi les dirigeants, ceux qui veulent aussi servir Dieu, regardez comment on fait miracle. Tu vois? Bon, tu es libre. Hein. Soit tu travailles avec l'huile. L'huile qui est biblique, ou si tu as la foi comme moi, hein, rappelle moi, je n'ai pas besoin d'imposer les mains sur le cas. Voilà. Mais c'est ma foi. Hein. Voilà. Mais on n'a pas le même degré de foi. Donc, ta foi te dit quoi? Bon, prends l'huile, hein, c'est mieux. Parce qu'on n'a pas le même niveau de foi. Voilà, prends l'huile. Voilà, toi aussi viens. Viens de deux. Mettez l'huile dans vos mains. Voilà. Sinon, si c'est moi, je n'ai pas besoin de mettre l'huile. Et je le fais pour que les païens croient en la puissance de Dieu. C'est pourquoi je ne touche même pas. Il ne faut pas voir dire, ouh, dans sa main, il y a quoi, basse. Non. Donc, je ne touche pas. Non, c'est vous, ce que vous voulez. Priez comme vous voulez. Si vous voulez enlever les mains, enlevez. Mais priez pour qu'il y ait un miracle. Voilà. Aïe, elle souffre. Oh. Aïe, elle souffre. Oh. Elle souffre, hein? C'est vrai, elle souffre. Je vois
en vision un déplacement hein, de l'os. Voilà, l'os long. Voilà, merci ma fille. Voilà, clavicule, merci. Regardez, hein, c'est pas moi qui prie, hein, c'est mes petits qui prient. Regardez, le miracle. C'est une affaire dans l'instant T. À l'instant. Oh là là. À l'instant. À l'instant. Ouais, dit ça déjà. Ça commence déjà. Ça bénit. Aïe. Oh là là. Elle, c'est une semaine de Dieu. Hein. Elle est venue bras, mais moi, je ne veux pas bras. Je vois, mon fils, tu ne veux pas ce que je vois là. Moi, je vois une épée. Il voit une épée en sa main. C'est une servante de Dieu. Ria. Et personne n'acclame la puissance de Dieu. Oh. Personne n'acclame la puissance de Dieu. Hey. Vous voyez ça, ma fille, là, ma fille, je vois là une épée. Le bras ne fait plus mal. Je vois une épée. Pourquoi? Tu es une servante de Dieu. Et Dieu dit, viens au temps de la grâce. Il y a ta place pour servir Dieu. Parce que tu es une servante de Dieu. Le Saint-Esprit m'amène quelque part, mais je n'arrive pas à maîtriser son village, le nom du village. Il m'amène vers André ici à Daloa. Je vois un peu, Jean-Jacques, comme. Corée qui price, Corée quoi? Ah! Ah! Yeah. C'est comme ça, tu as qu'un Holy Ghost. Oh, Jesus. C'est une semaine de Dieu, hein? Elle, ma fille, reçoit ta puissance. Reçoit l'onction. Reçois l'onction pour délivrer ton peuple, délivrer ton village, délivrer ta famille, délivrer ton entourage, délivrer toute brebis que Dieu va mener vers toi. Reçois ça. Fire! Aïe, aide-la. Puissant de Dieu. Aïe. Vous voyez, bras qui était dans le truc là. Et personne n'a comme ça, hein. Bras qui était dans le truc là. Bras qui était dans le truc là. Est-ce qu'un faux pasteur peut faire ça? Bonigo. Bonigo, mama. Bonigo, Bonigo mama, Bonigo Masia, Bonigo. Est-ce que un faux pasteur peut faire ça? Bonigo, hey, Bonigo Masia, Bonigo, Bonigo mama, Bonigo, Bonigo, Bonigo mama, ya fais ça, fais ça, Bonigo. Réponds avec moi. Bonigo. 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 Mama. Bonigo. Bonigo. Hey. Bonigo. Bonigo. Mama. Bonigo. Bonigo, 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 mama, Bonigo, Bonigo, yes, Bonigo, Bonigo, mama, Bonigo, Eva. Eva, Bonigo, mama, Bonigo,
dépend, Seigneur. Tu dépends. Vas-y. Vas-y. Tu dépends. Hey. Tu dépends. Tu dépends, Seigneur. Jésus, tu es bon. Tu dépends. Non. Tu es bon, Seigneur. Tu dépends. Tu dépends. Hey. Tu dépends. Tu dépends, Jésus. Tu dépends. Yes. Tu dépends. Aïe. Tu dépends. Tu dépends, Jésus. Boligo. Boligo. Hey. Boligo. Boligo, mama. Amen. Est-ce que tu peux pousser un cri de victoire? Pas qu'elle enceinte. L'esprit me dit, elle cherche bébé. Maintenant, je vais loin. Je vois bébé garçon. Elle cherche bébé garçon. L'esprit me dit, femme, tu ne sais pas que dans ton ventre actuellement se trouve un bébé garçon. Mais là-haut, la femme, là, je la vois assise. Oh là là. Elle ne sait pas que bébé est dans son ventre. Kantarabakinta. Ma fille. Lève la main. Je précise, elle cherche bébé garçon. Je peux te dire ton nom même, mais je laisse ta foi surgir, réagir. Ta foi. Toi-même ta foi. Jésus a dit, ta foi t'a sauvé. Il n'a pas dit, moi ma foi. Toi-même ta foi. Ma fille, toi t'as la foi. C'est bien ma fille. Hein? Tu as la foi, non? Tu sais que toi aussi tu es enceinte là. Hein? C'est ça? Non, il n'y a pas ça ici. Hein. Tu sais que tu as cette, non? J'ai la foi, oui. Hein? Oui. Lève les mains. L'huile. Pasteur, mets l'huile dans sa bouche, vite. Fais vite. Dieu m'amène aussi sur une femme, mais de Dieu. Elle, on prend son visage pour aller travailler ça. Et on a, elle, je vois la personne là. Fait la symbolise par un animal qu'on appelle le cheval. Donc, quand elle s'élève le matin, elle est lourde. Au nouveau, elle a mal au dos partout. Elle est fatiguée, lourde. Je vois comme Martine. C'est qui ça? Martine. C'est qui? Et? Mais acclame le roi des rois! Ah, ma fille, toi, c'est toi. Waouh, c'est toi. Tu t'appelles Martine. Donc, elle, attends, quand même. Toi, tu as commandé, non? Ok. Visage. Et l'huile. Sur le visage. L'huile sur le visage. L'huile sur le visage. On fait vite. Entends, ma fille, t'as mis l'huile? Oh, ma fille, oh là là, ma fille, voilà ton bébé, être là. Pff, la puissance de Dieu est là. Aïe, ouh, aïe, oh là là, j'entends témoignage. Ma fille, voilà ton bébé, ma fille, voilà ton bébé, ma fille, voilà ton bébé, ma fille, oh là là, ma fille, toi, tu vas, oh, ma fille, mais acclame. C'est bien, ma fille, c'est bien. Toi, tu acclames, c'est bien, ma fille. Toi, tu acclames Dieu, c'est bon. My Lord, canta raba kenta, sharaba kenta, vinto robo manta kashake rebe kinti. Ma fille, prends ma fille ton bébé. In the mighty name of Jesus. Yare, j'ai parlé par la foi, pour avoir, par la sagesse, pour avoir la personne. J'ai voulu dire par là que, femme, tu veux bébé, tu veux enfant. Donc moi, je t'attendais. Mais tu n'es pas venu, elle a pris. Acclame le Seigneur, elle a pris, elle est venue. Voilà. Oh, en voilà encore. En voilà. Elle va rendre témoignage vite devant vous-même. Hey. Vous voyez. En de souffrir. Hein, de vous dire qu'est-ce qui se passe maintenant au niveau du mouvement de ventre. Ma fille qui venait brillant, joli, elle, voilà aujourd'hui. Voilà son visage qui a tel. Ma fille Yako. Hey. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui se passe?
Il y a une opération qui se passe parce que c'est dit qu'elle ne doit pas. Mais c'est une affaire de, à l'instant. Oh, ma fille, voici ma fille, l'opération. Si vous voulez que je prie que le sang coule, tout à l'heure même. Jesus Christ. In the mighty name of Jesus. Continue la prière. John Sainte Femme. Hey! Continue la prière. Continue la prière. Oh, ma fille, continue la prière. Oh, voilà l'onction. La puissance de Dieu. Ouh. Martine, c'est vous? Martine? Ok. Bien, ma fille. Oh, toi. Toi, tu es bêté? Tu es bêté guéri? Non, je vois bêté guéri, mais c'est le côté bêté qui m'intéresse. C'est le côté bêté, quoi. On te fatigue là-bas. Voilà. Ok. Toi, la personne là travaille dans l'eau. Hein, et on prend ton visage. C'est pas normal qu'on prenne ton visage. Fille. C'est pas normal. C'est même pas normal. T'as mis l'huile sur son visage? C'est même pas normal, ma fille. Donc, en esprit, faut te fâcher en esprit. Fâche-toi. C'est pas normal. C'est vite. Voilà. Et là, ma fille, Dieu t'aime, toi. Ton mari, il n'est pas ici? Ok. Mais il est venu une fois-ci? Ok. J'ai parlé une fois à lui? Non. Ok. Je le vois dans une église. Tu es la main de Audrey? Et je vois Audrey. Ok. Je vois deuil, le mois d'octobre. On t'en sait deuil de ton frère? Ton frère, il est mort. Oh, mais acclame le Seigneur. Oh. My God. Je vois ton mari quelque part, mais Dieu me dit que, bon, faut être, hein, comme il faut sage, Dieu me dit que là où se trouve là, c'est pas là-bas, il veut le bénir. L'esprit me dit, là où se trouve là, c'est pas là-bas, il veut le bénir. C'est pas là-bas qui veut le bénir. Dieu dit, c'est pas là-bas qui veut bénir ton mari. Ton mari est en retard d'une bonne nouvelle qu'on appelle promotion. Mais il est en retard de ça. Mais Dieu dit que si il met ses pieds au temple de la grâce, tu vas voir ce qui va arriver. Même pas trois mois. Mais j'interroge, je le vois dans son coin, j'interroge. Et l'esprit dit qu'il a coupé un poste là-bas. Et je vois comme il est sage, conseiller. Hein? Ah! Mais rien. Mais personne ne peut se lever pour acclamer le roi des rois. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Merci. Hein? Lève les mains, ma fille. Oh. Oh, Père, merci. Holy Ghost Power, aide là. My God. Aide là. Oh, ma fille, mets-toi là, ma fille, lève ta main. Oh, aide-la vite. Pareil poil, hein. Dis, pareil poil. On acclame le Seigneur. Oh, pareil poil. J'enlève le masque de la sorcellerie. In the mighty name of Jesus. Dis hallelujah. Je dis, tu ne mourras pas. Alors, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Dis, je ne mourrai pas. Toi, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Dis, je vivrai. Pour raconter
les merveilles de mon Père. Je vivrai pour raconter les merveilles de mon Père. Je vois comme une chaîne qui est autour d'une femme spirituellement. Elle ne sait pas, une femme, une chaîne. Donc ça fait que quand tu veux aller quelque part, tu es empêché. Et la chaîne t'empêche. Donc la chaîne t'autorise de juste tourner quelque part. Donc ta vie tourne en rond. En rond, en rond, en rond. J'attends Emilienne. Emilienne, c'est ça, viens vite. Ma fille, lève les mains. Vite, commando, vite, j'enlève ça. Brise la chaîne. Aide-la, hein. Aïe. Enlève tout. In the mighty name of Jesus. Enlève tout. Par la puissance de Dieu, je brise toute œil satanique, diabolique, qui empêche ta destinée de voir le jour, de voir le soleil. Brise. Paralyse. Je t'enlève là-bas. Continue vite, les pasteurs, dirigeants. Hein? Vite. Hein? Viens, maman. Maman, pendant que tu rendais ton témoignage, l'Esprit Saint a ouvert mes yeux. J'ai vu comme un cercueil où tu étais là-dedans. Maintenant, quand tu étais en train de proclamer ta foi, l'Esprit a ouvert encore mes yeux, je ne te voyais plus dans le cercueil. Donc, il veut dire que Dieu me dit de te dire que tu ne mourras pas. Ah! Hey! Maman, tu ne mourras pas! La puissance de Dieu! Pas vite! Esprit de mort! Maman, tu ne mourras pas! Maman, tu vivras! Tu ne mourras pas! Tu vivras! Parce que ma main t'a touché. In the mighty name of Jesus. Au temps de la grâce, on ne met pas. Amen! Hein? Frère, enlève vite tes chaussures. Fais vite. Couvre-toi. Fais vite. Hubert, viens vite. J'ai vu une clé de voiture en tes mains. Dieu me dit que tu vas avoir vite une voiture. Viens vite. Je vois une clé de voiture en tes mains. Hein? Vite. Enlève ça aussi. Les mains. J'entends déblocage. Aide-le. Ouf, la puissance de Dieu. Aide-le. L'onction. Paralyse le joug du diable. L'onction. Brise. Mighty God, oh là là, tiens les clés de ta voiture, les clés de ta voiture, les clés de ta voiture, les clés de ta voiture. In the mighty name of Jesus Christ. On acclame le Seigneur pour sa voiture. Viens vite, homme, viens vite. Viens vite, pas pasteur. Oui, assieds-toi, président. Prends l'huile. Voilà, non, monte les pantalons. Tu sais pas pourquoi Dieu me parle de toi. Voilà, viens vite, il faut au moins vite ses pieds. Voilà, je vois un travail, mais pendant que je priais pour les gens, Dieu me dit, travail stable, équilibre. Je vois un travail stable, équilibre, que tu vas faire, pas à vie, mais pour toujours, jusqu'à un temps où Dieu va dire, bon, on quitte là, pour aller encore ailleurs. Un travail stable. Pourquoi tes pieds? Dieu me dit que tes pieds ont été maudits par l'œuvre de la sorcellerie. Je ne vois pas pieds, je vois des plaies, au niveau de tes pieds. Dans le monde de la sorcellerie, tout est plaies. Je vois plaies. Je ne vois pas pied. Je vois des plaies seulement. Des douleurs, des flèches seulement autour de toi. Mais oh Dieu, tu as mis les pieds ici. Dieu va te délivrer de ça pour toujours. Lève la main. Holy Ghost Power. Viens, passe ça. Je paralyse les œuvres du diable. Fire! In the mighty name of Jesus. Reçois ta délivrance. Ta délivrance. Tes pieds. Libérez l'onction. Brise le joug. In the mighty name of Jesus. Ici, au temps de la grâce, ça n'existe pas ça. Le sol, c'est-à-dire, on va mettre toi à genoux, les mains sur le sol, partout où tu es. Et pardon, la prière n'est pas dit, il faut murmurer. Je le dis, il y a derrière vous, ce n'est pas en vain. Hein. Il est 5h00, ce n'est pas en vain. C'est ça que j'attendais. Il est 5h00. Hey. L'heure de la bénédiction. 5h00. Ne t'amuse pas, ne sois pas distrait, ne parle pas, ne bavarde pas. Commence maintenant à prier. Qu'est-ce que ton cœur désire? La Bible dit, fais de l'Éternel tes désirs, tes délices, et il te donnera ce que toi-même t'en. Commence maintenant à prier. Prier n'est pas faux, ça veut dire ouvre ta bouche et parle. Ne t'occupe pas de ton voisin, de ta voisine. Ouvre ta bouche et prie.
ouvre ta bouche et prie en disant, mes mains sont sur la terre du temple de la grâce. Mes mains sont sur le sol du temple de la grâce. Seigneur, si vraiment c'est toi qui as oint et qui as appelé ton serviteur, opère le miracle dans ce même mois de décembre. Je veux mes papiers, je veux mon mariage, je veux mon voyage, je veux ma maison, je veux le déblocage, je veux mes finances, je veux mon mariage, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Dans ce même mois de décembre, ma promotion, déblocage financier de mes affaires, je veux ça. Commence à prier avec conviction, avec foi. Je dis avec foi. Hey, hey. J'ai dit de prier. Hey. Commence à parler à Dieu. Hey. Seigneur, je crois que ton serviteur, c'est ton oint. Ce que tu as mis en lui, Seigneur, j'arrache. Je veux mon mariage. Je veux célébrer ma victoire. Je veux, avant 2015, rendre mon témoignage dans ce même mois de décembre. Seigneur, Père, je sais qu'avec toi, rien n'est impossible. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Dans ce même mois de décembre, tu peux le faire, Père. Ce que tu avais prévu pour moi en 2015, en 2016, en 2017, tu peux le réaliser cette année même, 2015, 2014, dans le mois de décembre. Bantorobo kanta shekerebe kinte. Ne t'occupe pas de ton voisin, de ta voisine. C'est en toi et Dieu, en toi et Holy Ghost. C'est en toi et ton Père. C'est en toi et ton Père. C'est en toi et ton Père. Prie, prie. Jusqu'à ce que tu sois convaincu que tu as prié. Jusqu'à ce que tu sois convaincu et que tu aies reçu un signe. Tu as 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 reçu un signe. Hey. Et pendant que même tes mains sont sur le sol, aïe, hey. Reçois cette onction, reçois la confirmation, reçois la puissance de Dieu, reçois la confirmation. Le sol devient du feu, la terre bénie devient du feu, devient du feu, devient du feu, devient du feu, reçois la confirmation. Holy Ghost, il est l'heure, Holy Ghost. Je libère l'onction dans toute la salle. Holy Ghost, maintenant même, il est l'heure. Oh, ma fille, je vois là l'argent. Aïe, aide la commando. Rintaka, Sharaba, Kinta. Rintorobo, Kanta, Sheki. Oh, je nomme bien. Fire, la puissance de Dieu de tous. Aïe. Rintoko, Sharaba, Kinte. Ha. Commando, soyez prêts. Hein? Commando, soyez prêts. Commando, soyez prêts, ma fille. Pff, la puissance de Dieu. Holy Ghost. Maï Karama Kinta. Commando, soyez prêts. Commando, soyez prêts. Dieu me dit, il va bénir les mains. Dieu me dit, il va bénir les mains. Pendant que je parle, sa puissance est en train de toucher maintenant les mains. En train de maintenant toucher les mains. En train de maintenant toucher les mains. Commando, pendant que je parle, l'onction maintenant saisit les paumes. L'onction maintenant saisit les mains. Tu sens comme du feu. Tu sens comme du feu. Commando, 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 commando. Il y en a qui vont vous acclamer, acclamer par la puissance de Dieu. Commando, 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 commando. Yare, 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 ça brûle. Rien, 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 ça brûle, rien, ça brûle. La puissance de Dieu, la puissance de Dieu. Tu avais un problème de main, tu avais un problème de main, tu avais un problème de main. La sorcellerie a maudit tes mains. Je vois des gants noirs, je vois des gants noirs, je vois des gants noirs dans tes mains. Je vois des gants noirs dans tes mains. Mais maintenant même, par le pouvoir, par l'onction que mon Père m'a donné, que Jésus m'a donné, que m'a donné Holy Ghost, j'enlève maintenant les gants, j'enlève les gants noirs, j'enlève les gants maléfiques, j'enlève les gants, 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 j'enlève les gants. Donc c'est là, Holy Ghost, la puissance de Dieu là. Commando, soyez prêts. Commando, soyez prêts. Commando, soyez prêts. Touche la puissance de Dieu. Touche Holy Ghost Power. Commando, soyez prêts. Il lève les mains seulement. Ne regarde pas ton frère qui tombe. Hein? Ne regarde pas ta soeur qui tombe. Cherche toi-même ta délivrance. Cherche à ce que Dieu te touche.
Si l'Esprit de Dieu t'a touché seulement, c'est fini, tu es béni. Parce qu'il ne vient pas comme ça au hasard. Non, quand il vient te toucher une lettre, c'est que c'est pour t'annoncer une bonne nouvelle qui arrive. Hey! Holy Ghost! Voici les mains levées vers toi maintenant. La puissance de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, je ne sais pas qu'est-ce que ce matin tu veux faire. Toi seul, tu sais pourquoi est-ce que tu as planifié ce jour de programme de veiller, veiller. Toi seul, tu sais pourquoi. Holy Ghost! Voici les mains levées vers toi, maintenant même, par ta puissance. Je veux que tu m'amènes ici, par devant, à l'estrade, des personnes spéciales qui sont nées avec une étoile, qui sont nées pour briller, qui sont nées pour régner, qui sont nées pour dominer, qui sont nées pour gouverner. Saisis-les maintenant, Holy Ghost! Saisis-les maintenant, Holy Ghost! Partout où elles sont, dans la salle, partout où elles sont, dans la salle, partout où elles sont, dans la salle. Holy Ghost, saisis-les! Holy Ghost, saisis-les! Holy Ghost, saisis-les! Que le diable a lié, que le diable a attaché, que le diable a lié, que le diable a attaché, que le diable a lié, que le diable a attaché. Leur destinée, leur bénédiction, leur destinée. Holy Ghost, libère-les. Ta puissance les libère. L'onction brise le joug. L'onction brise le joug. L'onction brise le joug. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Aide-les, commando. Holy Ghost, ta puissance. Fire in the mighty name of Jesus. Fire. Holy Ghost, touch them. Holy Ghost, touch in the mighty name of Jesus. Kanto kosheke. Holy Ghost, la puissance de Dieu. Fire. Holy Ghost, te saisis. Oh, maman, te libérer. Maman, te libérer. Maman, te libérer. Maman, te libérer. Oh, maman, te libérer. Maman, te libérer. Maman, te libérer. Holy Ghost, touche ta puissance. Commandant de l'air. Frère, te libérer par la puissance de Dieu. Aide-les. Fire, pas vite, esprit de mort, consume tes œuvres. Pas vite, esprit de mort, tu n'as aucun pouvoir. Tu n'as aucun pouvoir, pas vite. Ganta Sharaba Kinta. Moro, envoie-les par devant. Pas vite, libère ta destinée. Par devant, commando. Hey, par devant. Pas vite, brise tes œuvres, par devant. Holy Ghost, aide là. Holy Ghost, aide là. Holy Ghost, aide là. Holy Ghost, aide là. Touche, délivrance. Aide-le. Fire in the mighty name of Jesus. Bénédiction, libéré. Aide-le. Fire in the mighty name of Jesus. Pas vite. Envoie-le tout par devant. Ceux qui sont. Holy Ghost. Par devant, vite. Vite. Par devant. Holy Ghost. Je vous dis simplement, quand il te touche, c'est que tu es béni. Tu es béni. Quand il te touche, c'est comme ça. C'est l'alliance avec mon Père. Paralyse, les œuvres du diable, libère la vie. Pas vite. Meurs par le feu du Saint-Esprit. Jesus. Pas vite. Sois fidèle. Laisse sa grâce, son étoile brille, elle. Pas vite. Touche l'onction. Touche l'onction. Hey. Touche, homme d'affaires. Par devant, tu es béni. Touche. Touche. Quand tu touches, touche. Tu es béni. Si dans ta vie il y avait un démon, le démon part en même temps. Pas vite! Sors! Il ne veut pas être. Sors! Aide-le. Oh, cet homme. Libère ses finances. Un homme d'affaires très riche, en retard, par les œuvres de la sorcellerie. Oh, lève-le, envoie-le vite là-bas. Oh, maman, tu es béni, maman. Tu es béni, maman. Oh, maman, tu es béni. Oh là là. Retard de bénédiction. Pas vite! Est-ce que tu es envoie vite, pasteur, envoie les gens en bas devant. Libère ta destinée. Ouh, elle là. Pas vite. Oh, vite, en bas devant. Pas vite. Libère. Sors. Sirène. Aussi. Lève les mains aussi. Commence à prier dans ton cœur, dans ton intérieur, dans ton cœur seulement. Il n'y a pas de ouvre la bouche, non. Pas vite, aide-les. Pas vite, aide-les. Sors vite, Adèle. Esprit. Oh, mighty God. Oh, c'est un groupe musical hein, qui est béni. Si ma main seulement t'a touché, la Bible dit, tout joug est brisé par l'onction. Si ma main seulement t'a touché, 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 Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu,
Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, tu m'as dit que les destinées sont enterrées. Tu m'as dit que le diable a enterré, le diable a enterré leur mariage, le diable a enterré leurs finances, le diable a enterré leurs destinées, le diable a enterré leur étoile, le diable a enterré, le diable a enterré leurs finances, le diable a enterré leurs destinées. Holy Ghost, tu me l'as dit, Holy Ghost, tu me l'as dit. Si c'est toi qui me l'as dit, ce matin, manifeste-toi, ce matin, manifeste-toi ce matin, manifeste-toi maintenant même par ton onction, maintenant même par ta puissance. Brise le joug, brise le joug, brise le joug, brise le joug, brise le joug de Satan, brise le joug du diable, brise le joug de la sorcellerie, 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 maraboutage, franc-maçonnerie est consumé, meurt par le feu, meurt par le feu, tout pouvoir de Satan, tout pouvoir du diable qui influence ta destinée, maintenant même, est consumé, est brisé, est taillé en pièces, 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 taillé en pièces. Recevez la puissance de Dieu. Pas vite. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. L'Esprit Saint me dit, oh là là, que vraiment, ce n'est pas en vain. Qu'il a fait un choix, hein. Il me dit qu'il a fait un choix. Il me dit qu'il a fait une sélection. Il me dit qu'il a fait un choix. Il me dit qu'il a fait une sélection. Il me dit qu'il a fait un choix. Ici en France, il y a des millions d'âmes. Il y a des milliers d'âmes. Il y a des millions d'âmes. Mais si c'est toi, si c'est toi, si c'est toi, si c'est toi, si c'est toi qui l'a amené dans cette salle, si c'est toi, il l'a envoyé ici. Il l'a envoyé ici à Saint-Denis. Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain. Regarde, pendant que je parle, l'onction te saisit de la plante des pieds jusqu'à la tête. Dans les mains, la puissance de Dieu te saisit. Maïnta kasharaba kinta. Aïe, commando. Oh, levez bien haut les mains. Haut les mains. Sois seulement en esprit. Sois seulement en esprit. Tu vas voir, il va te communiquer maintenant sa grâce. Je vois les. Il m'ouvre les yeux. Je vois des gants, des gants, des gants de couleur blanche. Oh! Pour dire qu'il a enlevé les gants noirs. Oh, pour dire qu'il a enlevé les gants maléfiques. Il a enlevé les gants ténébreux. Il a enlevé ça. Il a enlevé les gants démoniaques. Il a enlevé ça. Maintenant, je vois des gants blancs, des gants blancs, des gants blancs, des gants blancs. Lève-vous la main. Je vois les gants blancs, les gants blancs. Que l'Esprit s'est en train de faire porter ici à tout le monde. Hein? Tout le monde, hein? Tout le monde. Par devant, par derrière. Je vois des gants blancs. Qu'il est en train de faire porter gants blancs, qui symbolise maintenant même que tes finances sont débloquées, que tes mains sont déliées, que tes mains sont déliées, que tu n'auras plus de problème au niveau des finances. C'est fini ça. Tes mains sont débloquées, promotion débloquée, élévation débloquée, voiture débloquée, maison débloquée, réalisation débloquée, tout est débloqué, tout est débloqué, élévation. Il lève les mains. Hey. Kantarabake Sharabakinta. Il me dit, il y a parmi vous des multimillionnaires milliardaires, mais il va les saisir maintenant. Holy Ghost, où sont ces personnes multimillionnaires, multimilliardaires, prédestinées à faire avancer ton œuvre? Il me dit qu'elles sont riches, ils sont riches pour faire avancer son œuvre. Pendant que je parle, il y a voilà le signe. L'onction va les secouer de la plante des mains, de la plante des pieds jusqu'à la tête. Hein? L'onction va les secouer. Ces personnes-là, elles sont spéciales. C'est pas tout le monde, hein? 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 Qui verra riche? Qui verra riche? Qui verra riche? C'est pas tout le monde, hein? Qui verra riche? Et pas tout le monde, hein? Qui verra riche? C'est pas tout le monde, qui verra riche? Il y a l'onction te secoue, l'onction te traverse par tout le corps, par tout le corps. Tu sens ça comme du courant. Comme du courant, comme du courant, comme du courant. Tu sens ça même dans ton intérieur. Tu sens ça même dans tes paumes. Tu sens ça même. 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 Hey, la confirmation. Hey, la confirmation. Hey, multimillionnaire. Multimilliardaire, multimillionnaire, en euros, il me dit 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 en euros. Dieu me dit ici même en France, il va te bénir, ici même en France, il va te bénir. Ce n'est pas ailleurs, c'est ici même, 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 c'est ici même. My God, oh là là,
My God. Oh là là, my God. Il mérite une grande étoile. Oh, il mérite une grande étoile. Il mérite 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 grande étoile. Oh, si on t'attaque de ton côté, dans ta famille maternelle et paternelle, ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain. À cause de ta destinée. À cause de ta destinée. Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain. Si on t'attaque, si on t'attaque à gauche, à droite, à gauche, à droite, devant, derrière, ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain. Il me dit, ne pleure pas. Il me dit, ma fille ne pleure pas. Mon fils ne pleure pas. C'est à cause de ton étoile qui brille. Ça brille, ça brille. Ton étoile est jeune. Ça dérange le diable. Ça dérange les sorciers. Ça dérange les sorciers. Ça dérange les francs-maçons. Ça dérange le diable. Ça dérange le diable. Ton étoile brille. 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 Tu es né grand. 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 Regarde, j'attends, il me dit que mon, il dit, mon fils, ton peuple a reçu l'onction de Joseph. Oh, Joseph, oh, Joseph, oh, Joseph, oh, Joseph, oh, humilié, Joseph, oh, abandonné, Joseph, oh, rejeté, Joseph, oh, ils l'ont mis dans le trou, dans la prison, Joseph, oh, c'était à cause de quoi? Son étoile, son étoile, son étoile qui brillait, qui brillait, qui brillait, qui brillait. Regarde, tu es le Joseph de la famille. C'est toi que Dieu a choisi, c'est toi que Dieu a choisi, c'est toi que Dieu a choisi. Pour faire sortir la famille de la pauvreté, de l'humiliation, de la galère, c'est toi qui l'as choisi. Holy Ghost, où ils sont? Holy Ghost, où ils sont? Les Joseph, 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 où ils sont? Jesus, fire, la puissance de Dieu. Holy Ghost. Hey. Holy Ghost. Holy Ghost, où est-on? Les Joseph, les Joseph, Joséphine, les Joseph, Holy Ghost, où est-on? Où ils sont? Où est-on? Où ils sont? Né pour régner, né pour régner, né pour régner, gouverneur, premier ministre, où ils sont? Ministre, président, où ils sont? PDG, DG, où ils sont? Où est-on? Saisis-les! Le Saint-Esprit me dit, oh femme, femme, voilà tes papiers, ma femme. Oh, commando, aide-la. Hein. Aïe, commando, aide-la. Aïe, commando, aide-la. Commando, aide-la. On ne tient pas mon mouchoir comme ça. On ne tient pas mon mouchoir comme ça. Regarde, même toi-même qui l'attrape, l'onction est là aussi. Même toi-même qui l'attrape, l'onction te pénètre. Commando, veillez, hein. Veillez sur elle. Veillez sur même les deux mêmes. La puissance de Dieu. Oh là là. Jesus Christ. Maïta Karaba Kinta. Rintoko Sharaba Kinte. Maintaka Sharaba Kinte. Oh. Commando. Oh. Vessi. Oh, ma fille. Oh, ma fille. Prenez vos mariages. Papier. Oh. Oh, mariage. Papier. Oh. Prenez vos papiers. Oh. Prenez vos mariages. Prenez vos papiers. Oh. Commando, veille là. Commando, veille. Commando, veille. Commando, veille. Aïe. Commando, veille. Aïe. Commando, veille. Commando, veille. Quand j'adore comme ça, mon Dieu, quand j'adore comme ça, Holy Ghost, aïe, quand Et bien, l'onction que tu m'as donnée ne se limite pas à ça. Je vais fermer, je vais ouvrir. Moi, je m'en fiche de ça. Ça ne limite pas la puissance de Dieu. Même si tu es distrait et que cette parole-là te concerne seulement, tu vas venir ici. Holy Ghost Power, tu me dis, il me dit, comment soyez prêts, hein? Soyez prêts, il y en a qui ont fait c'était freaking. Tu vas sentir comme du feu au niveau de la chaise. Il dit, bien, je vais ouvrir. Il te démontrer la puissance de Dieu. Hey, tu vas sentir au niveau du feu, un feu au niveau de ta chaise. Tout ton corps, la puissance de Dieu. Si seulement cette parole te concerne. Oh, il me dit, faites comme mon serviteur, le prophète David, qui a tant souffert lorsqu'il me refusait de faire mon œuvre. Mais au Dieu qui est heureux, parce que je lui ai ouvert les portes et parce qu'il a accepté de me servir. Il a accepté de me servir. Il acceptait de livrer son âme, son corps, son esprit, ses forces, sa vie à moi. C'est pourquoi je le bénis. Il mérite parmi vous aussi, si ces personnes acceptent de le servir. Holy Ghost, yeux ouverts. Holy Ghost, partout sont ces personnes-là. T'es loin, t'es appelé. Saisis-les, saisis-les. Par ta force, par ta puissance. Hey, aïe. Il dit même, yeux ouverts, je m'en fous de ça. Hey,
Si elle souffre seulement, ça te concerne. Par tout raison et par suite, par ta puissance, saisis-le. Toute ma vie, je t'aimerai de toute ma vie. Hey, au nom de Dieu, 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 hey. Dieu me dit, tu as appelé à le servir. Il me dit, tu as appelé à le servir. Regarde, 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 regarde. Chaque fois, tu te vois en songe, en train de prier pour les gens, en train de guérir les malades, en train de chanter. Regarde, 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 regarde. L'Esprit Saint confirme ton appel. Il confirme ton ministère. Il confirme ton appel. Il confirme ton ministère. Il le confirme. On les appelle les prophétesses. Elles sont appelées, ils sont appelés à prophétiser. L'Esprit me dit partout, même où tu es allé, on te l'a dit, on te l'a dit, on te l'a dit, on te l'a dit. On dit toi, tu es appelé à prophétiser. Mais encore tu dors. 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 Il dit toi, tu es appelé à prophétiser. Il dit toi, tu es appelé à prophétiser. Il dit toi, tu es appelé à prophétiser. Pendant que je parle, regarde, ça chauffe dans les oreilles. 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 Elles diront, ils diront, ainsi parle l'Éternel. Et Dieu me dit, ce sont des paroles véridiques, des paroles vraies, qui viennent de lui, authentiques, qui viennent de lui, 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 qui viennent de lui. Regarde, ça chauffe dans les oreilles. Regarde-moi seulement, je n'ai pas dit ferme les yeux, regarde-moi seulement. Ça ne limite pas l'onction que Dieu a mis à moi. Même si, si même tu disais. Jesus Christ. Ça ne me distrait pas moi-même. Non, il me dit, il y a encore cinq personnes ici. Il me dit, il y a cinq personnes qui ont reçu de la main du prophète l'onction de prophétiser. Il me dit, elles seront des femmes. Allez, je vois les femmes. Il me dit, elles seront des femmes puissantes dans le ministère prophétique, dans le ministère de la prophétie. Elles vont prophétiser. Des femmes puissantes. Il me dit, elles sont cinq. Il me dit, elles sont cinq. Il me dit, femmes. De la manière que Dieu va t'utiliser, tu vas même dire le nom, nom, prénom, nom, prénom, date de naissance des gens ici. Comme vous regardez là, hein? Il me dit, elles sont cinq. Holy Ghost, où elles sont? À ma gauche, saisis-le. À ma droite, saisis-le. Comme vous voyez, hein? Comme vous voyez? Comme vous voyez? Hey! Dieu me dit, il va tellement t'utiliser que ça chauffe, regarde, elle lutte, il va une là, elle lutte, il va une là, elle est en train de lutter, en train de lutter, en train de lutter. On ne lutte pas, on ne lutte pas, Holy Ghost, hein, on ne lutte pas, hein, Holy Ghost. Rantaraba kanta shirebekite. Holy Ghost, si elles sont là, saisis-les maintenant. Holy Ghost, de façon violente, saisis-les. Holy Ghost, de façon violente, saisis-les. Les servants de Dieu, saisis-les. Hey, commando, il dit bien de façon violente, saisis-le. Elle refuse de servir Dieu, saisis-le. Elle refuse de donner le message. Dieu me dit, il est parle, mais elle refuse. Ah, il me dit, il est parle, mais elle refuse. Il me dit, il est donne le message, mais elle refuse. Elle refuse de livrer le message. Parce qu'elles ont honte. Je ne sais pas parler. Je ne sais pas parler. Aïe. Je ne sais pas parler. Aïe. Je ne sais pas parler. Aïe. Je ne sais pas parler. J'ai dit quoi même. J'ai dit quoi même. J'ai honte. J'ai honte. J'ai honte. Saisis-le. Par ta puissance. Holy Ghost. Holy Ghost. My long tarabakinta. Regarde, il me dit, il y a quatre personnes. Il me dit, il y a quatre personnes. Il me dit, ces quatre personnes-là. Regarde, il me dit, mon fils, comme toi, tu es un prophète aussi de miracles. Je leur ai aussi donné l'onction de miracles. Il me dit, vous là, je vois ces personnes-là aller prier pour les malades. Je vois ces personnes-là hein, parmi vous aller prier pour les malades. Dieu me dit, comme il vous a donné l'onction qui est en moi, comme il vous a transmis ça, je vous vois en train de faire lever les paralytiques, en train de faire lever les paralytiques, en train de faire lever les morts. Holy Ghost, si elles sont là, saisis-les! Don des guérisons. Il me dit don puissant, hein? Puissant. Il me dit 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 même quand il me dit souvent même là, tu vois quelqu'un malade. Et l'esprit te dit, oui, ma fille, va vers elle. Ma fille va prier pour lui.
Et tu as peur, tu as peur, tu as peur, tu as peur. Oh, c'est l'appel de Dieu. Oh, c'est la confirmation de Dieu que tu as reçu ce don de guérison. C'est un don, c'est un don, c'est un don. Si tu es là, il te saisit. Regarde, il mérite, tu ne feras même pas un effort même. Non, parce que lui, Dieu même, il t'a oint dans ça, dans ce domaine. Il dit, tu ne feras même pas un effort. Quand la personne, elle est sourde, n'entend pas. Tu viens poser des mains seulement, tes doigts, elle va entendre. Je vois aveugle. Il dit, quand tu vas poser les mains sur les yeux seulement, elle va voir, la personne va voir. Pourquoi? C'est le don que Dieu a mis en toi. Ce n'est pas toi-même, c'est lui, Dieu, qui a mis ça en toi. Il t'a choisi. Mais il dit, il veut te bénir par ce don. Si ton fils ne joue pas ballon, il ne mangera pas. C'est pareil avec Dieu. Si tu n'es pas à la place que Dieu veut que tu sois, tu ne mangeras pas. Tu as tourné en rond jusqu'à 15 ans, 20 ans, en train de souffrir pour manger les miettes, 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 miettes. Oh Dieu, t'as réservé les grandes choses, les millions, les milliards, pas ça. Pourquoi, Yann, je te vois aller guérir les blancs qui sont multimilliardaires. Je te vois aller guérir les noirs qui sont multimilliardaires. Je te vois aller guérir les personnes qui sont très riches. Mais Dieu dit, ces personnes-là te seront reconnaissantes en te bénissant, en te bénissant. Il dit, lève-toi, fais mon œuvre, ma fille. Lève-toi, fais mon œuvre, mon fils. Ça brûle. Ah bon. Ah bon.